Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale que vous avez attendue très 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 longtemps et je vais un petit peu m'expliquer à ce sujet là. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon appartement tout enfin, je sais, c'était très très long. C'est vraiment la vidéo que vous m'avez le plus demandé sur ma chaîne depuis que j'ai déménagé en tout cas. Ce qu'il se passe, c'est qu'en fait il me manquait deux choses, des rideaux et une machine à laver. C'est un peu ridicule, on va pas se mentir, mais je voulais vraiment que tout soit parfait pour vous faire l'appartement tour. J'ai des rideaux, hein. Je voulais des rideaux pour cacher. Vous savez, j'ai un placard qui est ouvert et dans ma salle de bain, enfin je vais tout vous montrer. Et en fait je voulais vraiment quelque chose pour cacher, sauf que j'ai essayé d'en acheter, je n'ai rien trouvé qui me plaisait. Donc je me suis dit à un moment, on dit filme ta vidéo parce que là on va pas s'en sortir. Donc vous allez voir un petit peu de bazar, mais c'est pas très très grave, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer. N'hésitez pas à aller voir aussi, j'ai fait une vidéo où je vous explique comment j'ai trouvé cet appartement. Donc voilà, pour vous dire, mon appartement c'est un duplex qui fait 23 mètres carrés. Du coup je vous montre un petit peu comment il se présente. Donc quand on rentre, là j'ai ma porte d'entrée, j'ai ma porte d'entrée juste là, et quand on rentre vous avez mon salon, on va dire, hein. C'est un tout petit appartement, donc j'ai pas vraiment d'espace comment dire séparé. Donc j'ai un canapé, franchement il est pas très très confortable mais il fait le travail. Je m'étais dit que j'allais mettre un canapé pour pouvoir un petit peu me poser, manger, etc. Mais là je suis en train de me dire qu'en fait il vaudrait mieux que j'ai un bureau, parce que travailler dans mon lit c'est pas possible. Donc je pense que pour l'instant ça va rester comme ça, mais un jour je vais changer parce que bah il me sert pas à grand chose. Donc j'ai cette petite table qui me sert juste pour manger ou poser mon ordinateur. Cette table elle vient de chez Made. Là j'ai mes fenêtres, j'essaye de pas trop montrer non plus dehors. Et voilà, j'ai juste mis des rideaux qui sont absolument pas repassés, donc vraiment c'est un petit peu à l'arrache, je suis désolée. J'ai un petit plaid qui vient de chez, je ne pourrais pas vous dire, je vous mettrai en barre d'infos parce que c'est Jérémy qui me les a donné. Ici j'ai un meuble à chaussures, ça c'est pareil, j'aurais aimé garder en fait ici vide pour que ça fasse un peu plus aéré, mais bon j'avais aucun endroit pour ranger mes chaussures et de toute manière j'ai pas énormément de paires là. Donc ce meuble vient de Amazon, je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos. Rien de fou, j'ai juste mis quelques paires de chaussures. Vous avez vu mon escalier. C'est un escalier japonais et c'est vraiment 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 très très galère. Comme vous pouvez le voir ici en fait vous êtes censé mettre le pied droit là, le pied gauche là, pied droit, pied gauche, parce que sinon il y a des trous. Mais moi franchement je monte tout à droite comme ça et je me tiens à la rampe, parce que sans la rampe franchement c'est trop galère. Et donc je vous montre à quoi ressemble le reste. Donc voilà à quoi ça ressemble, on va peut-être enlever cette pince de cagoule. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une cuisine très très simple, il me semble que tous les meubles ont été achetés chez Ikea si je me trompe pas. Donc ici vous avez mon frigo, juste ici c'est là où je range. Bon c'est pas très très rangé dans les tiroirs, vous allez voir qu'avec moi c'est vraiment rangé qu'à l'extérieur. Là vous avez mes petits couverts ils viennent de chez Monoprix, vous m'aviez demandé. C'est des couverts dorés, je les aime tellement, ils sont trop bien et ils sont lourds, ils font vraiment qualitatif, c'est ce que j'aime trop. Là j'ai mes assiettes, je voulais des assiettes vraiment très très plates, vous voyez, j'aimais trop. Elles viennent de chez Alinea. Et là j'ai mes casseroles, mes poêles, etc. Juste ici c'est l'emplacement pour la machine à laver. Pour l'instant je fais mes machines chez Jérémy. Faut vraiment que j'en achète une à un moment ou un autre. Là j'ai mon aspirateur, de l'eau et un petit bac avec plein de trucs un peu inutiles. Cet endroit il m'insupporte un peu parce que ça fait vraiment bazar, je déteste ça. Ici j'ai tous les produits ménagers. Ici je range tous mes verres, mes tasses et tout, mais là c'est un peu, c'est pareil, c'est un peu le bazar. Mais là voilà, mes verres, je vous mettrai le lien, ils sont trop beaux, je les aime trop. Donc ça c'est les verres à eau et les verres à vin, j'aime trop, ils sont trop trop beaux. Ils viennent du site West Wing, je vous mettrai tout. Voilà, j'ai quelques trucs et là il faut vraiment que je range, mais en gros c'est toute ma nourriture. Voilà, rien de spécial, j'ai une hotte ici avec des petits trucs, mes protéines. Là j'ai tous mes compléments alimentaires avec mon grille-pain et ma bouilloire. Tous mes compléments alimentaires, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Donc soyez présents sur ma chaîne parce qu'elle va sortir ce mois-ci. Vous me l'avez beaucoup demandé et là c'est pareil, j'ai quelques petits trucs. Voilà, avec un petit peu de fruits, beaucoup de bananes, hein. Je mange beaucoup 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 de bananes. Et puis voilà, rien de spécial après. Donc voilà, ensuite ici, quand on regarde, vous avez ma porte de salle de bain. Et ici, vous avez un rangement pour mes vêtements. Donc en fait, c'est deux commodes Ikea. J'avais déjà celle-ci. Et j'ai décidé d'en fait racheter une autre parce qu'il me manquait quand même des rangements. Et pour pouvoir bah, tout mettre. Ce qui fait que ça fait une grande commode. Franchement, c'est super pratique. Bon, je vous montrerai pas l'intérieur. C'est rien de spécial. C'est mes vêtements. Là, j'ai mis des petites bougies. Elles sont toujours là. Mon odeur favorite, là, c'est la Calm and Quiet Place de Yankee Candle. J'aime tellement, tellement, tellement cette odeur. Ça sent trop, trop bon. J'aime bien aussi les bougies. Elles sentent super bon. Ça va faire le focus.
et elles sont pas chères du tout. Voilà, j'ai mon petit carnet où je mets toutes mes idées de vidéos. Là vraiment il y a tout 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 et il est trop pratique, c'est avec lui que je m'organise, je l'ai toujours avec moi. Et donc voilà comment ça se présente. Et franchement pour un appartement de 23 mètres carrés il fait vraiment vraiment plus grand. En fait il est complètement refait à neuf, il n'y a jamais personne qui habite dedans, du coup c'est vraiment trop trop cool parce que bah tout est neuf. Voilà, je l'ai pris, tout était vraiment en train, enfin je l'ai vu quand je l'ai visité, il était en travaux, ils étaient en train de mettre l'escalier etc. Enfin c'est vraiment neuf 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 et ça j'aime trop trop trop. Il n'y a rien qui est abîmé, tout est bien blanc, bien beau et ça c'est vraiment trop agréable. Ensuite ma salle de bain. Donc quand vous rentrez, voilà comment ça se présente. Oui je suis en jogging et alors, et oui j'ai la même tenue que dans ma dernière vidéo, enfin non ma prochaine vidéo. Parce qu'au final, nous sommes le même jour. Donc quand on rentre, vous avez un petit tapis de bain de chez Ikea. J'ai le même en rose et en fait toute ma salle de bain est complètement blanche. Donc je voulais vraiment tout avoir en blanc et avoir juste une touche de rose pour... voilà, j'alterne entre les deux. Donc quand vous rentrez, voilà comment ça se présente. Ici vous avez tout mon rangement à produits etc. Ça c'est vraiment trop trop bien parce que j'ai énormément de place. Je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à ça où je vous montre comment je range mon maquillage et comment je range mes produits. Parce que vous voyez j'ai plein de place pour ranger plein de choses. Plein de choses et voilà il y a plein de... Enfin tout est nickel et j'ai vraiment la place de mettre tout ce que je veux. Mon petit lavabo j'aime trop, cet effet un petit peu carrelé. C'est un autocollant et c'est super bien fait, je trouve que ça ajoute un petit truc, c'est trop mignon. Donc voilà, vous avez ici mon petit, mes petits bâtonnets parfumés de chez Rituals. Alors je sais plus ce que c'est l'odeur mais c'est l'odeur verte. N'hésitez pas à les sentir, ça sent trop trop bon pour la maison, c'est trop bien. Là il faut que je le recharge parce qu'il n'y en a plus. Mais donc voilà, vous voyez que tout est blanc. Et ici vous avez ma douche. Toute blanche aussi. Franchement j'aime trop le fait que ce soit tout tout blanc parce que je sais pas, c'est épuré, j'aurais fait vraiment la même chose. Et là voilà j'ai tous mes petits produits. Mes serviettes, alors ça c'est un gros truc, c'est vraiment, c'était trop important pour moi d'avoir des serviettes blanches mais épaisses. Je voulais vraiment des serviettes comme dans les hôtels et elles sont super bien, elles viennent du site Linvauge, elles sont vraiment top top top. Donc ça c'est la très grande taille, j'ai pris ça pour le corps, c'est vraiment trop pratique. Ici normalement là elles sont à la machine mais sinon je mets les restes, j'ai pris x2. Là j'ai une petite serviette pour les mains, c'est pareil, c'est très très épais, c'est vraiment le top. Et ma serviette pour mes cheveux. Et ensuite là, juste à gauche, je vais vous montrer quelque chose de pas très fameux. C'est là où je suis censée mettre des rideaux. C'est là où je peux mettre tout mon bazar. Vous savez, je suis maquilleuse, donc j'ai plein de maquillage déjà de une. Et j'ai plein de valises, de maquillage, de trousses, de tout, ouais, tout ce que je veux dire. Et puis il me fallait un endroit pour mettre mes papiers, pour mettre mes médicaments, pour mettre mes sèche-cheveux, mes machins, mes trucs. Donc tout est là. Donc voilà comment ça se présente. C'est pas très beau. Il va y avoir des rideaux. Donc là, on va vraiment plus rien voir. Ça va être trop trop bien. J'ai trop hâte parce que du coup, vous voyez, quand on rentre, on le voit quand même pas mal. Moi, je veux vraiment que là voilà ça soit coupé, donc comme ça j'aurai plus la vue de ce truc qui m'énerve tous les jours. Donc là j'ai mon meuble de make-up avec mes pinceaux, j'ai de quoi étendre le linge, j'ai mon sac de linge sale, c'est un Muji, il est trop trop mignon, je sais pas, je trouve trop mignon. J'ai mon tapis de sport, ma Zooka pour maquiller, et là j'ai plein de trousses de maquillage, c'est le bazar. J'ai des papiers, j'ai des médicaments, j'ai des sacs, j'ai d'autres trousses. Là c'est un bac, le bac que j'utilise en fait quand je dois filmer une vidéo en haut, et bah je prends le bac et je prends, bah je mets tous le maquillage dont j'ai besoin et hop je monte avec. Là j'ai ses cheveux lisseur, nanani, nanana. Vraiment là c'est tout le côté un peu bazar. Mais franchement ça a l'air d'être vraiment trop en bazar, mais en vrai c'est rangé. Enfin je sais où sont les choses, donc c'est assez pratique. Et vous avez en fait aussi des bacs en dessous, des gros bacs avec tous mes manteaux d'hiver etc. Je peux tout stocker, donc ça c'est pas mal. Et je vous ferai un rangement make-up. Franchement je pense que ça vaut le coup parce que j'ai vraiment pas mal de trucs et c'est un peu galère à organiser, donc ça peut peut-être vous donner des idées. Et ici c'est pareil, j'ai des produits. Voilà c'est un peu organisé. Je vous montrerai un petit peu tout dans une vidéo organisation si jamais ça vous intéresse. On retourne dans le salon. En fait j'aime trop cette pierre, elle est partout partout dans l'appartement. Je sais pas, je trouve ça vraiment trop joli. Le sol ça rend super bien avec et en même temps ça se fond trop bien aussi avec le blanc, donc c'est vraiment très très cool. Ensuite montons nos escaliers. Donc je dis, moi je monte vraiment tout à droite et je me tiens toujours pour monter, sinon vraiment vous tombez, c'est très très galère, on va pas se mentir. Ça m'arrivait vraiment plusieurs fois de tomber ou de faire tomber, c'est horrible, quand je veux manger en haut et que je fais tomber mon plat. C'est vraiment pas une bonne soirée que je passe. Donc une fois que je suis en haut, franchement je trouve que j'ai de la chance parce que l'appartement il est super joli. Genre là je sais pas, je trouve ça très joli. J'ai des petits spots
que je peux allumer. Alors, c'est ici que tout se passe. C'est là où je filme toutes mes vidéos en face cam, vous avez l'habitude de voir. Je sais pas, il y a un truc, je me sens bien dans cette chambre. Je suis cosy, je suis très contente de cette chambre. Quand vous montez les escaliers, juste là, vous avez mon portant. Donc sur ce portant, je mets toutes mes vestes, mes robes et mes chemisiers. Tout ce qui doit être pendu en fait, hein, tout simplement. Vous étiez nombreuses à me demander d'où venait ma veste dans mon vlog. Elle est trop jolie, je suis trop contente que vous m'ayez demandé ça parce que j'hésitais grave à l'acheter. Et c'est une Sandro, franchement je suis trop contente de l'avoir prise, elle est trop belle. Mais malheureusement il fait tellement froid que je sais même pas si je vais pouvoir la mettre cette année. Donc ici vous avez l'appareil photo que j'utilise pour mes vidéos. Tout est en barre d'infos, hein, il y a tous les liens toujours. Donc voilà, il est toujours ici parce que franchement devoir toujours le remettre etc, ça me saoule. Et je vous ai pas montré le sol, c'est des tomates qu'on été repeinte, c'est très mignon, ça ajoute un petit truc à la pièce. Bon là j'ai ma box, c'est pas très beau. Mes rideaux, là c'est un gros problème, ils sont pas, vous savez ils sont trop longs, donc c'est des épingles à nourrice, je sais pas si vous imaginez le bordel. Donc ça fait des mois que c'est comme ça, ça me saoule, mais en même temps j'ai la flemme. Voilà, ensuite ma petite fenêtre, ici j'ai un miroir que je sais pas si vous avez déjà vu, je sais pas d'où il vient, je pense que c'est un Ikea. Et voilà, donc lui c'est pareil, je pense qu'il va dégager parce que j'en ai marre de l'avoir dans mon passage, mais en même temps c'est le seul miroir que j'ai pour voir mes tenues en entière. Du coup, et ben, je pense qu'on va installer un miroir en bas sur la porte de ma salle de bain. Je pense que ce serait un petit peu plus joli et plus pratique. Mon tapis, il a l'air très gris alors qu'il est beige. Il vient de chez Ikea. Et voilà comment se présente la chambre. Du coup, je ne vous ai pas montré. Voilà, donc très simple, mais très cool. Je vais allumer la lumière peut-être, je sais pas si ça rendra mieux. Si c'est un petit peu plus chaleureux. Ici vous avez mes tables de nuit des deux côtés. Donc elles viennent de chez Zara Home. Alors il y a plein de câbles, je déteste ça. J'étais trop contente, c'est vraiment une très belle table de nuit. Elles sont vraiment très lourdes et je les aime trop. C'est en marbre blanc, voilà mes lunettes. Ça c'est des lampes qui viennent de chez Ikea. Dorées bien sûr, j'aime trop. Et donc voilà mon lit. Alors je vous mettrai le lien, je sais plus sur quel site je l'ai acheté. Mon lit c'était vraiment la galère. Les escaliers vous avez vu quelle galère c'est. On a galéré à cause d'eux et du coup il fallait trouver un lit qui passait par la fenêtre, sauf que moi je voulais un grand lit parce que la pièce est pas très grande et je me suis dit à un moment je vais pas mettre un petit lit juste parce que la pièce est pas grande, qu'est-ce que je vais faire dans cette pièce à part dormir, rien. Donc je voulais un grand lit même si ça prenait tout l'espace, je voulais me sentir bien, vous voyez, avoir un lit quand on rentre, avoir un bon lit où se poser avec des bons coussins, c'est trop bien. Et là bah, c'est ce que j'ai fait du coup, donc je suis trop contente et j'ai trouvé le lit qui passait par la fenêtre. Donc on l'a fait passer par la fenêtre, après on a dû le monter, enfin Jérémy l'a monté, j'ai une photo, je dormais pendant que monter le lit. Je suis trop contente. En fait, je voulais absolument un lit beige. Et si vous me suivez sur Instagram depuis mon déménagement, vous savez à quel point j'ai galéré. Il est trop beau. En fait, là, je suis pas censée mettre ça. Je trouve ça vraiment horrible, tous ces coussins. Je vais acheter deux énormes coussins pour mon lit et mettre mes deux coussins avec. Je veux pas du tout ces coussins horribles, mais là, c'est en attendant. Ça m'aide parce que j'aime bien quand même avoir des coussins dans mon lit. Et j'ai acheté surtout un matelas. Il est incroyable. Je vous avais mis une photo sur Insta. Il est vraiment génial, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un Eve matelas, il est vraiment ouf, il est énorme. Je vous recommande à fond d'investir. C'est la chose qui m'a coûté le plus cher dans cet appartement, c'est mon lit. C'est vraiment ce qui m'a coûté le plus cher, mais j'étais trop contente d'avoir un bon lit. Ou voilà, on se rend pas compte, je trouve qu'il a l'air assez petit dans la vidéo, mais il est quand même assez grand, hein. Mes draps viennent de chez Ikea, ils sont un petit peu, on voit pas trop, vous voyez. Ce petit plaid vient de chez Ikea aussi, c'est vraiment juste pour de la déco. Je voulais un truc un petit peu plus chaud que du blanc, j'ai pris du blanc cassé. Ici vous avez ma deuxième table de nuit avec ma petite bougie Ikea qui coûte genre 1€. C'est à la vanille, ça sent trop bon, elle est trop belle, blanche. Ici j'ai mes petits produits de nuit. Donc ça c'est un spray de chez Rituals que je mets sur mes coussins pour mieux dormir. Et franchement j'adore, j'ai l'impression que ça marche vraiment. Mais je sais pas, je trouve que je dors mieux quand je le mets. Et j'ai aussi des petits roll-on, ça fait 30 ans que j'ai ça, avec un autre spray. Ça vous pouvez retrouver chez Sephora. Et là j'ai un masque de nuit pour les mains. Et ici j'ai ma crème pour mes jambes lourdes de vieille. Donc je peux mettre ça sur mes jambes le soir pour m'apaiser quand j'ai une grande journée. Ça m'aide pas mal. Et voilà, toujours la même lampe. Je voulais absolument avoir les deux tables de nuit et deux lampes. Et ensuite ici c'est la partie que je veux pas vous montrer parce que je la déteste. Il faut vraiment que je mette des rideaux, je ne peux plus me la voir, elle n'est pas organisée. En fait c'est ma petite étagère juste là, mais je vous explique avant de vous montrer. En fait j'aurais aimé rajouter des étagères et mettre des vêtements, sauf que je l'ai jamais fait. Du coup bah ça me saoule parce que en bas mes commodes elles sont blindées de vêtements. Ici en même temps je savais pas ranger mes sacs, je savais pas ranger mes appareils photo, donc voilà c'est un peu le bazar. Et vraiment j'ai
hâte, mais hâte, le rideau arrive parce que je n'en peux plus de voir ça. Donc voilà comment ça se présente. Ici vous avez tous les trucs d'appareil photo, les chargeurs. Franchement je me suis dit je vais tout ranger, mais je sais même pas où ranger, comment ranger. Donc voilà, hein, la prise pour les moustiques. Vous voyez vraiment ce genre d'endroit. Mon petit, mon mini ventilateur, il vient de chez Muji, il est trop cool. Ça m'a sauvé cet été parce qu'en haut il fait vraiment trop chaud. Mon micro, tous les chargeurs de caméra. Ça c'est des petits médicaments que je prends pour dormir. Enfin c'est pas des médicaments, c'est des plantes. Je vous laisse prendre un script si jamais ça vous intéresse. Ça vous aide à s'endormir et à mieux dormir. Donc c'est vraiment très cool. Je le laisse là pour pas être tenté tous les soirs en le voyant ici. Ici j'ai mes sacs, mais c'est pareil, mes sacs déjà, pourquoi il part comme ça? Et en plus je les mets pas, enfin lui je le mets pas. Il y a que ces trois là que j'utilise. Là c'est ma pochette d'ordinateur, enfin vous voyez vraiment c'est un peu n'importe quoi. Et là j'ai trois bacs de chez Muji, des bacs soupe, donc c'est encore pire parce que... Bref, il n'y a aucune organisation. Si vous avez des idées d'organisation pour cet endroit, je serais mais tellement heureuse que vous me proposiez vos trucs. Là, j'ai des maillots de bain. Là, c'est un drap. Enfin, voilà. Ce genre de trucs. Donc, voilà pour mon appartement tour. J'espère que ça vous aura plu. Je suis en train de réfléchir. Maintenant, j'ai rien d'autre à vous montrer. Je suis trop contente de cet appartement. Si vous avez des petites idées de déco ou de rangement, n'hésitez pas en commentaire. Ça me ferait très plaisir. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées pour votre appartement. Si jamais vous avez toute seule ou tout seul, pourquoi je dis ça? Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.